Je réalisais, à l'instant même où je tombais dans la crevasse, que le livre ne serait pas détruit comme je l'avais prévu. Il continuait de tomber dans cette étendue étoilée, dont je n'ai eu qu'une image fugace. J'ai tenté d'imaginer où il avait pu atterrir. Je dois cependant avouer que de telles interrogations sont vaines. Toujours est-il que je ne cesse de me demander dans quelle main mon livre myste finira un jour par tomber. Je sais que mes craintes ne seront peut-être jamais apaisées. C'est pourquoi je ferme, réalisant que la fin n'a peut-être pas encore été écrite.